Là, on est sur la route. Est-ce qu'on va où, mon cœur? Au Havre. Eh ouais, on va au Havre. Donc, du coup, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été au Havre. Du coup, ce matin, on m'a dit, allez, on y va. Donc, on va bien évidemment vous en douter à Primark. C'est le passage obligatoire quand on va au Havre. Enfin, forcément. Donc, ce matin, on a pris un petit déj au McDo. On était trop déçus. Franchement, c'était dégueulasse. En plus, il n'y avait même pas de cappuccino. C'était dégueulasse, non. C'était bon, mais c'était pas ce qu'on avait d'habitude. Ouais, voilà. Et pas de chocolat chaud, pas de cappuccino. Donc, moi, j'étais trop déçue. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même, mangé. Hein, et puis voilà. Donc, là, on est sur la route. Donc, on se retrouve quand on sera directement à Medo Havre. Elle est belle celle-là aussi. Bon, on sort donc du doc. C'est des docs, j'ai toujours du mal moi. Bref, au total chez Primark, j'ai craqué. 3840 euros. Oui, bien sûr. Bah, déjà, il faudrait que je les ai sur le compte. J'ai mis dans ma bagnole. Oui, c'est ça. donc, du coup, j'ai deux sacs. Donc, je vous montrerai ça. Et encore, il n'y avait pas tout ce que j'avais vu en fait sur la page que je suis du Havre. Mais bon, normal, on est dimanche. Hein. Après, on a fait un petit tour. On a mangé. Donc là, il est 14h38. Donc, il n'est pas tard. Hein. Non, il n'est pas tard. Donc là on va sortir et puis se rentrer tranquillement à la maison. Ça continue? Putain, mais il est con ce téléphone en fait. Pourquoi? T'arrives pas à l'éteindre quand tu filmes. Tu vois là je continue à filmer. Mais c'est bien les filles comme ça nous voyons. Tagada. Salut Loute, papa et maman ils ont acheté quoi? C'est à qui ça? C'est quoi ça? C'est quoi le beau plaid là? C'est à qui ça le beau plaid des chiens? C'est le mien, touche pas, vous poussez là s'il vous plaît. Bah oui hein, on est content, maman et papa ils sont rentrés à la maison. Tu l'as fait sourire? Bah j'essaye. Mais non, bah faut que tu lui fasses. Ah, vas-y recommence. Ah, ah, ah. Non, ça s'y arrive pas. Non, papa, arrête, tu m'ennuies. Ah, ça y est. Oh, c'est bon, ça. Oh, là, oui. Oh, la petite babine. Laisse-la. Donc, comme vous l'avez compris, on est rentré. Parce qu'il y a le monstre. Après, Marc, j'ai trouvé un... Tu te pousses? Non, c'est ton tapis. C'est à toi. Le plaid Mary Poppins, en fait, qui est en promo à 4 euros au lieu de 8. Et du coup, bah, Sangal, elle aime que les trucs roses. Donc, du coup, on lui a pris ce qu'elle en avait plus. Parce que t'avais fait Pipi dessus. Ouais, c'est ça, ignore-nous. Et du coup, bah là, il y a le premier sac. Et le deuxième sac. Et là, voilà. Donc, comme ça, ça s'est fait. Hein. Mais bon, ce qui est fait n'est plus à faire. Je
je vous ai dit, on est rentré. Vous avez pu voir les images juste avant. Avant de s'arrêter finalement, enfin de rentrer, on s'est arrêté à Honfleur parce que vous avez Quai des Marques, c'est ça mon cœur? Ouais. Donc c'est un grand centre où vous avez des grandes marques qui sont à des prix comment dégriffés entre guillemets. Alors après ça dépend aussi des marques, hein, ça c'est sûr. Lan, il s'est retrouvé une paire de chaussures, donc des Nike à 49€. Des Air Force One. Air Force One. Et on a vu le rappeur Made In. Et il a. Voilà. Et en fait, on était au Galeries Lafayette, parce que vous avez un genre de petit Galeries Lafayette. Et là, Lan me dit: oh putain, regarde, il y a Made In. Et il était avec ses enfants et je pense sa maman. Donc du coup voilà, donc je dis bah va lui demander une photo, il a pas osé. Et maintenant, je regrette, mais à mort. Voilà, ça t'apprendra, hein. Voilà, je te l'avais dit. Donc du coup voilà, il était content parce que voilà, bon après on connaît ou on connaît pas, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, donc comme la dernière fois quand on avait été à Deauville il y a 3-4 ans de ça maintenant, moins 3 ans de ça, il avait vu 7 geckos, ouais. Et en fait on partait, il arrivait et je dis bah attends, on n'est pas encore sorti, on peut aller le voir. Non, et puis à rentrer à la maison, bah il était dégoûté. Regardez la morphale là. Donc voilà, donc du coup bah t'es dégoûté, hein. Bah grave. Voilà, ça t'apprendra, je te l'avais dit. Ouais. Regarde là l'autre. Moi je l'ai eu, c'est le principal. Ouais, voilà, c'est sympa. Après il m'a dit si je le revois. Il est simple, il a si je t'appelle pas, quoi. Ouais, et puis bon, il était avec sa famille, donc après je lui ai dit tu peux toujours aller le voir, lui demander si il est ok pour une photo. S'il veut pas, après on comprend aussi, hein. J'ai déjà vu il y a 2-3 ans au zoo à Sarza. Ouais, il m'avait dit, mais moi je connais. Enfin, je le connais j'ai pas. J'ai vu sa barbe, j'ai dit ça c'est Donc voilà, et regardez la morphale là. Qu'est-ce que tu fais, Dante? Papa il mange. Papa il mange. Dans la patte. La patte. La patte. Dans la patte. Allez. Ouais, faut que je bouge mon gros cucu. Allez Dante. Oh ouais, je lui donne la patte du chien. Oh ouais. Dans la patte. Ouais, enfin si tu lui donnes rien, elles sont balées nouilles. Hein. Ah, si je mange quand même. Donc voilà, donc là moi je me suis remis en bas de pyjama, bien au chaud parce que j'ai trop froid. Et puis bah je vais aller ranger tout mon petit bazar parce qu'il faut tout ranger maintenant. Et puis voilà. Et puis bah du coup nous on se retrouve. T'as pas tes chaussures là pour montrer aux filles? Si. Quand même que je vous montre. Ah si, il s'est acheté à Micromania. Un jeu qu'il voulait. C'est ce que je disais. En fait, les jeux à Micromania, ils achètent toujours quand on va au Havre. Et en fait, il a pris Forza 7. Vous voyez, au lieu de 50€, il l'a eu à 20€. J'arrondis, hein, c'est bien mieux. Donc voilà, là il a sauté dessus, c'était l'occasion. Moi je voulais prendre à Noël, mais en fait il en voulait un autre, donc j'avais pris l'autre. Et voilà les chaussures. Donc oui, Alan, taille très grand, puisque tu fais du 47,5, mais à la base il fait du 48,5 en fonction des chaussures. Donc comment vous dire que c'est très très compliqué pour lui trouver des pompes. Donc du coup voilà, donc celle-là c'est moi qui lui ai trouvé, sachant qu'on en avait vu à Foot Locker et c'était quoi, plus de 100€ la paire de pompes. 117, les mêmes. Et là, chez Nike, hein, donc c'est vraiment de la marque, hein, parce que ça sort de chez Nike, on les a payés 49€. Donc voilà. Et la dernière fois, pareil, t'en avais pris, je t'en avais acheté, c'était quoi, 55€ au lieu de 150? Non, pas autant. 100? 90 ou 100, je sais plus. Ouais, enfin, en gros, une paire de Nike, c'est à peu près 100€. Donc voilà, donc c'est vrai que là il y avait plein de trucs et c'est vrai que cette boutique pour les chaussures pour Alan c'est toujours intéressant. Il en avait essayé une autre paire qui lui allait, des basses, mais c'est celle-là. Ouais, mais c'est celle-là qu'il voulait, donc du coup voilà, pour 49 ça valait le coup. Il y avait Guess aussi en boutique et j'ai craqué sur 2 t-shirts mais que je n'ai pas acheté parce que j'ai déjà assez craqué mon slip chez Primark, hein, faut le dire. Mais voilà, si un jour on y retourne et qu'ils y sont encore, je pense que je me les prendrai parce qu'au lieu de 40€, je crois que c'était 25 et 30€ le t-shirt. Donc ça reste une somme, c'est du Guess, hein, on est bien d'accord, c'est pas le top du top de la qualité. C'est du vrai. Hein. Mais voilà, c'est une vraie boutique Guess, donc voilà. Là, donc comme je vous dis, je vais ranger mon bazar et puis on se retrouve dans la soirée. En fait, je viens de filmer le haul Primark donc avec mes achats. Je ne sais pas du tout quand le haul sera posté, puisque bah, vous verrez le vlog à quoi qu'il arrive avant le haul. Ça c'est sûr, ça va être en fonction de ce que je prévois comme vidéo ou pas. Et du coup en fait j'ai littéralement oublié de vous présenter ceci dans le haul Primark. Donc bah, c'est pas grave, je vais vous le montrer tout de suite. C'est du papier cadeau Stitch. Regardez-moi la beauté. Il est trop beau. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé.
franchement, il est trop canon et c'était 2 € les 5 mètres. Donc concrètement, vous doutez bien que j'en ai pris 2, sachant qu'ils étaient un petit peu abîmés aux ouvertures ici, mais voilà, et le papier en lui-même n'était pas abîmé. Bah, c'est plutôt celui-là en fait, vous voyez. Les gens l'avaient un petit peu ouvert, mais en lui-même, le papier n'a absolument rien. Il y en avait un très beau mari aussi, j'étais tentée de le prendre, sauf qu'en fait, les gens, ils ont tout ouvert, ils ont tout défoncé. Donc du coup, j'ai fait, c'est mort, je le prends pas, puisque du coup, pareil, je vous l'ai jamais montré, mais j'avais déjà acheté du papier cadeau Mickey marbré comme ça. Donc je me dis, pour les cadeaux de Noël, d'anniversaire, de moi et Alan, et puis bah, moi j'aurais bien évidemment du Stitch, mais on peut faire Stitch et Mickey comme ça. Et pour par exemple ma maman, je sais qu'elle adore Marie des Aristochats, donc j'aurais bien pris pour bah, fête des mères, anniversaire, Noël, mais tout était défoncé, donc c'est pas grave, je retrouverai bien de toute façon. Pareil, il y avait du Toy Story si ça vous intéresse, et il y avait Batman, je crois que c'est tout. Donc voilà, donc après à surveiller en caisse, parce que c'est souvent en caisse que le Disney est implanté. Donc là, je suis en train de faire une lessive parce que j'en ai déjà fait une ce matin, mais le souci c'est que bah, tout n'est pas sec hein, forcément, parce que je fais sécher ça dans la maison, parce qu'on n'a pas de jardin. Mais bon, c'est pas grave, ça sèche doucement mais sûrement, mais il y a déjà des choses de sèches. Et du coup j'en refais une de blanche, comme ça je serai quasiment à jour. Et bah, ce qui est déjà fait, enfin sec, je pourrais le repasser et être tranquille. Donc voilà voilà, là il est quelle heure, 17h44, Alan a un problème avec la Xbox parce que le jeu ne se lance pas. Et donc je lui ai dit bah mets un DVD et c'est pareil, les DVD ne se lisent pas. Donc c'est marqué il y avait un problème, donc il est en train de régler son truc. Moi je ne m'en occupe pas. Et puis voilà. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va manger ce soir. Moi j'ai envie d'une salade du McDo, parce qu'elles sont tellement bonnes, celles qu'ils font eux-mêmes en fait, là vous savez, qui, enfin, qui vous préparent. Le truc c'est que souvent le dimanche il n'y en a plus. Donc je ne sais pas. Je sais pas. Sinon je vais faire à manger, puis c'est tout, hein, tout simplement. Faut que je prépare aussi à manger pour demain midi. Ouais, je ferai ça demain, je prends qu'à 11h30. Donc ça devrait le faire sans aucun souci. Donc bref, voilà. On verra ce qu'on mange, je vous dirai ça tout à l'heure tout simplement. Je retourne faire mon petit rangement. Bon, je viens de me rendre compte en montant le vlog qu'on a complètement oublié bah, de le clôturer. Donc regardez pas ma tête, aujourd'hui on est mardi, j'ai pas fait mes cheveux, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, donc du coup je vais clôturer le vlog toute seule puisque Alan dort actuellement. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis si vous voulez d'autres vlogs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis voilà, donc prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous.